Allô, c'est Jacinthe. David, allô. Ça va bien? Oui, ça va. Je me présente, je m'appelle Jacinthe Aymard, on est à l'école de cirque et gymnastique de Châteauguay. Okay. Puis, juste dans Châteauguay, ça se situe à peu près où? Dans le vieux Châteauguay, Châteauguay Station. OK, bon, puis c'est... Comme les mains appelées NDA. Exactement. NDA, OK. Et ouais, c'est l'ancienne église NDA. On est à l'ancienne église NDA. OK. Donc, ça fait combien de temps que c'est le... Ça fait 7 ans, mais ça fait 5, ça va faire notre 5e année qu'on est dans l'église. Ah, OK. OK, fait que vous avez déménagé. Oui, exactement. On était dans le quartier industriel avant. OK, parfait. Okay. C'est là, vous êtes en ici. Oui. On a acheté l'église. Vu qu'ici, c'est protégé, dans le fond. Exactement. Là. Fait qu'il y a du monde qui surveille les enfants et tout ça. Tout à fait. Vous avez des cours d'enfants et tout ça? Oui, enfants, adultes, du cours libre. On a des athlètes de haut niveau en gymnastique, au niveau national. Puis on a une troupe de cirque aussi. On a des spectacles. Qu'est-ce que tu as besoin comme équipement pour faire tout ça? Il y en a de l'équipement. C'est ça, je vois. Ouais, tu as besoin d'église, dans le fond, des hauts plafonds. Exactement, des hauts plafonds. On a besoin beaucoup de matelas, des coussins, un sol 40 par 40 pour la gymnastique, trampoline. On a des trapèzes, tissus aériens. On a beaucoup de jonglerie aussi en bas sous-sol. On a des échasses, des bouts d'équilibre, des fils de fer. Pour quelqu'un qui veut inscrire dans un cours, qu'est-ce qu'il a besoin d'apporter? Juste un même? Un puis avec un maillot de gymnastique, puis un garçon, c'est shirt, t-shirt. OK. C'est tout. Pas de bas, rien, là. Pas de bas, pas rien. Vous êtes correct. Super. Pas d'équipement. Mais là, il demande ton maillot. Ouais. Ouais. J'ai pas eu de courriel. Dans le fond, tout l'équipement qu'on voit ici, c'est une partie. Ouais. Là, je vois qu'il y a beaucoup de coussins, justement, parce que, bon, la poutre, c'est quand même dur. Oui. Mais il y a des coussins, dans le fond, pour nous protéger si on tombe à côté. Puis on peut en mettre en dessous pour commencer des nouveaux trucs, là. OK. Puis après ça, on enlève. Après ça, on enlève. Exactement. Aussitôt que la personne a commencé à être plus à l'aise. Bien, on enlève, puis après ça, bon, on se ramasse comme truc. Okay. Ça, c'est normal compétition, normal. J'imagine? La hauteur normale. Ça, c'est normal pour nous. C'est normal pour vous. OK. Ouais, c'est ça. OK. Il y a combien de gens dans l'école de cirque? Entre 300 à peu près. Okay. Sur 7 jours. Étalé sur la gym jours, et bon. Le cirque ou vraiment juste le cirque? Non, la gym et le cirque. OK. Ouais. On a des écoles qui viennent en sortie. On a le Collège Héritage qui font leur cours d'éducation physique ici 50% du temps. Fait qu'il y a de l'action, là. Fait que c'est une journée tranquille aujourd'hui. Okay. C'est notre... La bâtisse, c'est à vous? Oui. OK. Ouais. Fait que donc, vous en faites ce que vous voulez, les installations, il n'y a pas de danger, c'est en permanence. Exactement. Y a-t-il des camps de jour l'été? On n'a pas des camps de jour, on reçoit des camps de jour en sortie ici. OK. OK, OK. Fait que vous êtes quand même occupé 365 jours par année. Ben, il faut, parce qu'il faut... faut que ça se paye. Il faut la payer, l'église. Hein? Ouais, c'est pas un don de charité. Non. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, il fallait sauter sur la trampoline, des assis debout, puis contrôler, dans le fond, nos sauts avec la trampoline, les rebonds de la trampoline. Je pense que c'est le plus complexe, surtout que je pense que Martin avait jamais... Martin, David avait jamais fait de trampoline. Donc c'est plus difficile là, de prendre le bead là, de la trampoline. C'était le plus difficile du défi. Bon, ben allons-y. Ouais, on est-tu prête? Oui. Ouais. Go, là. Merci. Mes craintes et mes appréhensions que j'ai aujourd'hui, c'est sûr que, bon, mais dans les derniers tournages, j'ai eu quelques petites blessures qui ne sont pas encore réglées. Donc, c'est les seules petites craintes que j'ai. Parce que feu veut pas... Rude épreuve, il faut que tu sois quand même à ton maximum. On est un contre l'autre. Puis il n'y en a pas un des trois qui peut arriver puis être trop blessé. Fait que c'est sûr que ça va jouer un peu contre moi. Là. J'ai absolument la conviction certaine que mes aptitudes ne me permettront pas de performer aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que je pense que les aptitudes qui sont nécessaires dans le cirque, ça serait théoriquement d'avoir de l'équilibre, une bonne force musculaire, un tronc qui est assez solide, et c'est toutes des choses que j'ai malheureusement pas en grande quantité. C'est une place que je viens chaque semaine avec ma fille, alors c'est impressionnant déjà pour moi, alors c'est pas une surprise, j'ai déjà venu ici, puis j'ai déjà vu qu'est-ce que ma fille a fait, alors un petit peu de la gym puis la gymnastique, alors j'ai très hâte de commencer notre épreuve aujourd'hui. OK. Comme les enfants, ils font ça. Là, il faut sauter tout le temps dans le milieu de la trampoline. D'accord. Sur le petit X rouge. Fait que vous allez commencer juste à sauter comme ça. Après ça, on va faire des assis debout. Tout le temps, les bras sur le côté des genoux, puis pas les bras tendus. On va plier. On a un swing en tout cas aussi, non? Voulez-vous vraiment savoir pourquoi on va vous le dire? Oui. Pas briser les bras. Ah, okay. Parce qu'avec le rebond, si on met notre coude droite, il...
malheureusement. Peut virer de l'autre bord, hein, malheureusement. Ouais. Ah. Mais on dit aux enfants. Hein. Moi, je dis, si vous voulez pas faire des petits bobos bras, pas de. Ben, c'est bien de nous le dire, parce qu'on est comme des enfants. C'est ça. Tu vas à pire. OK, fait qu'on fait ça. Après ça, on va faire un enchaînement. Assis, debout, coupé. Assis, debout, coupé. C'est pas difficile. C'est pas pire, assez. Elle fait ça. Mais là, on commence ça, puis après ça, on en rajoute. OK, OK, là, c'est puis la là, pratique. Là, le concours, ça va être celle-là qui est plus capable d'enchaîner va perdre. OK. Ah, okay. Oh, oh, ça, c'est fait parfait, moi, j'en ça. Rajoute. Ça, c'est parfait. C'est bon? OK, OK, OK. Okay. Ah, c'est parfait, ça. La pratique de trampoline, pour moi, ça a très bien été. Je veux pas une trampoline, j'étais assez à l'aise là-dessus en partant. Puis, on s'est amusé. Moi, je suis pas une personne qui prend des chances puis qui veut y aller plus loin possible ou plus haut possible. Alors, je voyais que Martin il aime bien ça. Moi, j'aime ça plus ou moins, mais j'ai vraiment à m'amuser. Martin, il en fait de la trampoline. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un peu. Moi, j'en fais pas. Là. Fait que, je veux dire, tout de suite en partant, on va s'entendre, les chances sont pas mal virées vers les autres. Là. On va se dire ça de même. OK, on rajoute de quoi? Oui. Assis, debout, coupé, même affaire. Assis, autour, assis. Parfait? Oh, oui, oui, écoute, c'est parfait. Ouais. T'as-tu un truc? Faut que tu twistes ton corps. OK. Bon, on le refait au complet. Assis, debout, genoux. Là, on fait encore assis, mais là, on tourne pour twist le corps. On retwiste. C'est bon? OK. Au départ, je me sentais super bien. Je me sentais super à l'aise. J'étais pas nerveux du tout. C'est vraiment des mouvements de base. Après ça, c'est des enchaînés, un après l'autre. Donc, ça devrait bien aller. Regarde l'autre bord, parfait. Wow! Là, ouais. Le défi de la trampoline, au début, c'est vraiment juste ajuster quand tu sautes. Parce que si tu sautes trop low, tu vas vraiment bondre plus haut. Alors pour moi, c'était vraiment concentré de pas être trop haut. Parce que si j'étais trop haut, bien là, je paniquais un petit peu. Puis là, j'ai tout équilibré. Puis je pourrais pas faire la chorégraphie que Jacinthe, l'entraîneur, nous avons montré. Pour moi, en tout cas, quand j'ai trouvé que j'étais trop haut, j'étais pas capable de tourner puis faire des choses comme il faut. Alors pour moi, c'était vraiment concentré, de ne pas trop sauter et de changer de mouvement en même temps. Alors, c'est pas évident non plus. T'es capable, Charon. OK. Assis de tour de roue. Ouais. Je suis prêt pour la compétition, man. Prêt. Je vais sauter partout. Capable. Oh! Oh, ouais. Là, il faut apprendre à faire les mouvements en même temps qu'il faut y penser, c'est quel mouvement qui vient après l'autre. Là. Fait que c'est l'enchaînement qui était difficile, je pense, à suivre. C'est la deuxième. OK. 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 Martin. Assis, debout. Debout, croupi. Assis, arrivé, arrivé. Genou. C'est bon? Ha! Vas-y, juste un petit peu, puis genoux. Genoux, mets tes bras ici pour mettre les mains après, puis après ça, genoux. Assis, ça. Debout, okay. Assis, demi-tour. Regarde comment il est bon. Doucement, doucement. Ouais.
Écoute, c'est meilleur que moi. C'est meilleur que moi. Un troisième essai. Mais fais un saut avant, fais un saut après. Vas-y, là, tu fais demi-tour, tu sautes. Ouais, tu peux faire un saut. Ouais, tu peux faire comme moi, puis en faire 28, là aussi. Là. Bon, ça te disqualifie, là, mais bon, c'est une autre histoire. Lâche pas, Martin. Si, debout, genoux. Là, tu sors un petit peu. Saut. Go! Ah, OK. Plan. Ça va bien. Écoute, j'ai hâte de me voir. Le mercredi à 21h. Assis, genoux. Vas-y, tu sais. C'est ça. Good, c'est bon. D'accord? Non? Une autre fois. Direct, ça a l'air plus d'un saut que la peau, les yeux. Ouais, pis moi, je vais avoir l'air d'une omelette dans une panne. Asseyez. Wow! Oh, wow! Oh! Wouhou! Ça a marché! Ok, t'as dit, c'est pas le truc, c'est enchaîné. Ouais, c'est ça. C'est un détail. Ok, on commence à avancer. On regarde la main, ça va bien. Pour le fun. Les derniers seront les premiers, c'est ce qu'ils disent? C'était bon. Toi, t'as plus de pression, c'est pour ça, hein? OK, avec les jambes. Deux, deux. On recommence. On va perdre nos pantalons. Juste les... Comme deux, ça. Deux. Pieds. Jambes. Hop. Wow. Hop. Groupé. Groupé. C'est bon? Les jambes. Ouais, les jambes. Les jambes. Les forces de mes adversaires en trampoline, David, ça a été son sens de l'humour qui avait pas peur de... d'aller de lui-même, justement, donc ça y a enlevé du stress. Arrêtez pas aux genoux orteils, genoux orteils, genoux orteils. Arrêtez pas aux genoux orteils, Dieu né, bouche oreille. Ce que je vais essayer de faire pour gagner la trampoline, je vais essayer de déconcentrer mes adversaires. Je vais espérer pour le pays. C'est ça ma stratégie. Déconcentre-toi un peu, là, les deux. Pense à ta femme. Ben là! Groupé. Ouais.
D'habitude, quand j'ai de l'amplitude, je veux garder cette amplitude-là. Sauf que là, il faut que j'arrête puis je tombe sur les genoux pour pas en avoir trop, justement. Fait que c'est juste de m'habituer à ça. Mais regardez, ça a donné ce que ça a donné. Demi-tour debout. Bon. On regarde ta femme. Debout, groupé, assis, demi-tour assis. Demi-tour debout. Ouais. Groupé. Groupé. Ouais, groupé. À genoux. Ouais. Yeah. C'est bon. On veut tes commentaires, mais on n'est pas arrêté à la chute à terre. À la fin, j'étais capable de le faire tout, le chorégraphier ensemble, sans rater un mouvement. Alors pour moi, c'était un gros défi. Je ne penserais pas, quand j'ai vu Jacinthe nous montrer des chorégraphies, à un moment donné, j'étais comme, je ne serais pas capable de faire ça. Puis c'était surprenant, j'étais capable, je l'ai fait. Est-ce que je peux donner mes commentaires, c'est juste ici? Ouais, prends tes commentaires. Deux genoux. Ouais. C'est une paire, coach. Passe à faire ma Martin. Chavonne était très bonne dans la dernière portion. Elle est très élancée, donc quand il fallait lever les jambes et tout ça pour reprendre de l'amplitude, ça était très forte là-dessus. Les mouvements de début étaient un petit peu plus, je dirais, tournés carrés, là. Mais sauf qu'elle était capable de se rendre et garder son amplitude justement à cause de sa grandeur. Ah, c'est vraiment très bon. Sérieux?
je pense que mes coéquipiers, autant Martin, Jacinthe, nous ont donné vraiment un coup de main là, pour vraiment me placer, tourner, tout. Puis même là, je sais que je l'ai pas adéquatement. Là. Je sais que quand je tournais, j'étais pas parfait, puis tout. C'est de la pratique, puis je l'ai pas. Tu connais Martin? Comme tantôt, tu l'as aussi pas bien, mais tu envoies tes pieds à place du jeu. C'est encore plus facile, ces pieds. Ouais, mais c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Ah, c'est bon. Ça, va mettre tes pieds. C'est ça, super beau. Même, tu l'as super bien. Faut faire ça deux fois. Ouais. Non, mais non, j'ai fait comme vous. Okay. Non. Hop, pied, hop, hop, gros coup. C'est ça. Mais là, ça, c'est une fois dans ma tête. Monte ça comme il faut, monte. Oui. Passe à ma femme. Passe pas. Sur la trampoline avec toi. Merci. Debout, coupé. Là, tu fais trop de saut. Oui, c'est ça. Là. Il a triché tantôt. Depuis tantôt qu'il triche. Là, c'est ta première essai, ça. Ça, c'est son deuxième, là. Mais c'est genou. Debout. Tout de suite. Hop, hop, tout de suite. Hop, let's go. C'est bien, c'est bien, mon ami. Moi, j'ai peur de me voir. Dave, concentre-toi en tout jusqu'à là. Et let's go. Parce que quand tu rates le premier, là, après ça, c'est dur. Là. C'est ça. Le lapin est fini. Pas grave. Pas grave. Pour leur première fois, je trouvais qu'il n'y avait pas grand point fait parce qu'ils se sont... Je pense que David avait un petit peu de difficulté avec de la coordination. Après ça, un petit peu coordination aussi avec Martin pour le petit lapin. Puis c'est plus de savoir son corps et où dans les airs, là, mais c'est pas facile. Pas évident la première fois qu'on fait de la trampoline puis qu'on embarque dessus. Là, je trouve qu'il y a pas très... C'est pas très négatif, là. Bon, ben bravo, vous avez été super bons. Merci. Des vrais athlètes. On essaie. T'es super bon, mais vu ta difficulté du début, t'es en troisième position. Ouais. OK, c'est correct. Ouais. Puis, écoute, j'ai pas le choix de donner des ex-échos là, avec Chevan et Martin. Premier, les deux, parce que vous avez... Réussi. Ouais. C'est pas les mêmes affaires, mais c'est difficile de dire qui est premier ou qui est deuxième. Félicitations aux deux. J'espère que ça me rapproche un peu du peloton pour le restant, puis que la différence sera pas trop grande. Mais sans faire ça, vraiment bravo. J'aurais jamais pu être capable de faire ce que vous avez fait. Je suis juste content d'avoir participé avec vous autres. Bien, bravo! Yes! C'était super bon! Excellent! Merci! J'ai réussi! Au moins, j'ai réussi! Ouais. Non, mais il y a quelque chose à faire ça. Avec toi, là! Hey, regarde! Il manquait juste le comme une café! Tu peux en monter encore des échelons. Oui, hein? C'est ça qui est fun, là. Tu as du potentiel. Oui. Puis tu as le sourire. Ça, c'est l'essentiel, je pense, dans une activité comme ça. Oui, absolument. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir pour de vrai. C'est fun. Je suis vraiment, vraiment, vraiment surpris des commentaires que Jacinthe m'a réservés à la fin en disant comme il y a quelque chose à faire avec toi. Tu sais, on peut vraiment te faire avancer là-dedans. On peut te faire travailler. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme non, c'est parce que ça marche pas. Mais il semblerait que j'ai un certain talent. Garde, tant mieux. Oh, sans farce, ça me surprend le plus du monde. C'est comme ça que je me sentais. C'est comme ça que je me suis senti dans la compétition. Fait que, quand j'avais fini troisième, regarde.
C'était déjà écrit dans le ciel que c'est ça qui allait arriver. Fait que, tu sais, j'ai pris ça relax, puis j'étais, comme je dis, j'étais super content de juste avoir réussi les objectifs. C'était ça que je voulais faire. J'espère qu'on va continuer à s'amuser comme qu'on le fait. C'est tellement agréable. On passe des belles journées. C'est trop court, mais on garde le sourire puis on s'amuse. Hey, le plus que j'y ai pensé, c'est quand c'est sûr qu'il vous plaît. Ben pour le prochain défi, j'espère que c'est quelque chose que... qu'on n'a jamais fait, tous nous trois, pour qu'on puisse vraiment être des vrais concurrents, comme aujourd'hui, comme on a fait il y a une couple d'épreuves. J'ai entendu dire qu'on allait faire de la jonglerie. Ça pourrait bien fonctionner. Donc, on verra rendu là.